pas le dire. Tu as baissé la tête de la table oui. ici. OK. Après ça, je vais mettre la coquille qui arrive au bout. Oui. Et égale de chaque côté. OK. Après ça, je la coupe. Tu la coupes à la largeur de la table? La largeur de la table. Ah ben. 20 pouces d'habitude. Combien? 20 pouces. 20 pouces. Une table normale. Ici, je vais faire recouper la forme de mon V de table. La même chose de chaque bord. Ah, oh, parce que tu as un V de table ici. Bon. Tu y vas grosso modo, là. Tu prends ça, tu prends un genre de ciseau. Un ciseau à pansement. À pansement, OK. Ça ne coupera pas le matelas non plus. OK. Ici, je monte un petit peu plus haut de chaque côté. Tu fais comme des bras. Je me rabats par-dessus. Même chose ici. Tu vas voir pourquoi tantôt. Okay. Là, je vais faire la place pour mettre les appuis-bras de chaque côté. À peu près 16 pouces. Ça, c'est pour les appuis-bras que tu vas installer par la suite? C'est ça. Même chose de chaque côté. Essaye d'être symétrique. Je vais le mettre sur YouTube. Là, je vais fixer la coquille. Ça, je te disais tantôt. Hein? Je vais le mettre demain. Donc, tu mets des petites serviettes pour protéger le matelas. D'accord. Je mets ça de chaque côté. Quatre pouces, 10 cm. 3e tissu. Troisième tissu. C'est de la pub. Oui. Donc, tu mets le tape pour stabiliser. Pour pas que ça bouge. OK, pour pas que ça bouge. Je le double tout le temps pour être certain. D'accord. Même chose en bas. Particularité. Le clamo est là, et l'étrier devrait être ici. Fait que, entre le drum run et le clamo, je vais passer le tape. De chaque côté. Ici, il faut que j'en coupe encore un petit peu plus. Comme ça. Là, je vois. Même chose que j'ai faite en haut. Je le double. Bio-risque. N'importe quel sac à vidange va faire l'affaire. Je vais tourner la jambe pour rester concept. Ah, d'accord. Donc, tu installes le plastique pour faire glisser le patient un coup installé. D'accord.